More than 100 earthquakes occur each year, some reaching catastrophic proportions. Quakes that take different forms. Little by little, scientists are beginning to uncover their secrets and anticipate potential outbreaks. Earthquakes are particularly powerful. They can annihilate a city in just a few seconds. Donc c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule et qui se libère instantanément. C'est très brutal et c'est très violent. Entire cities collapse like sandcastles. There is nothing worse than earthquakes. Si on regarde les catastrophes qui ont causé le plus de morts autour de notre courte histoire, de l'homme par rapport à ces phénomènes géologiques, le séisme figure au premier rang. Thousands of scientists from all over the world study their behavior to locate the areas where the Earth might tear apart. The biggest challenge for seismologists is to determine the moment the Earth's crust might begin to crack. Une des pistes, en tout cas, de recherche actuelle, c'est de mieux comprendre ce phénomène d'endommagement des roches avant un tremblement de terre. While we wait for new breakthroughs in research, cities of millions of people lie on these giant faults, like Port-au-Prince in Haiti, which was devastated by an earthquake in 2010. Tous les ingrédients négatifs étaient en place pour qu'un séisme de magnitude importante, enfin pas extrême, malheureusement, conduise à la catastrophe qu'on a connue. In Nepal, thousands of people were killed and 500,000 houses were destroyed after a quake that ravaged everything for over 10 kilometers. C'était une zone qui était surveillée depuis le début des années 2000 par du GPS qui mesure la déformation lente. Italy is under constant threat.